Mes chers amis, c'est l'honneur de Manon Aubry et de nous autres d'être montés à la tribune du Parlement européen quand tous les autres se taisaient, y compris la belle gauche du Parlement européen, ces humanistes autoproclamés, cette belle gauche pervertie, prompte à embrasser toutes les causes, pourvu, évidemment, qu'elles ne contrarient pas leur allégeance avec les États-Unis. Cette belle gauche qui refuse pourtant de qualifier ce qui se passe actuellement en Palestine de génocide, eh bien, c'est l'honneur de Manon Aubry et de nous autres d'être montrés à la tribune du Parlement européen pour poser les mots, pour dire ce qui devait être dit, de la manière dont cela devait être dit, et d'avoir exigé que le Parlement européen demande un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza. Et à force d'avoir déposé des amendements, nous l'avons obtenu. Voilà ce à quoi servent dans le Parlement européen les députés insoumis. Et cet après-midi encore, nous étions dans la plénière du Parlement européen pour demander la dénonciation de l'accord d'association et pour demander l'embargo définitif sur les armes à Israël. Et vous pouvez compter sur nous pour continuer à le demander.